Un atelier sonore doté d'un laboratoire du son, une source de recherche et de partage entre artistes et utilisateurs de médias qui comprennent de rôle utile et nécessaire d'un apport expérimental dans la musique comme dans l'art en général. Polygraphie signifie plusieurs graphies, plusieurs styles, plusieurs écritures graphiques rassemblées dans une œuvre. Les arts sonores et musicaux proviennent de toutes les cultures. Et tous les animaux ainsi que la nature dans son émergence produisent un vibrato qui contraste le silence originel. Et peut-être que le silence absolu n'a que peu de place dans l'univers. Mais sans ce contraste, le temps lui-même n'aurait pas de trace ou de graphisme spatial. Sa transparence demeurerait imperceptible et l'existence elle-même devrait transparaître sans doute, au-delà de toute sensibilité. Pourquoi faire un choix de recherche permanent pour gravir elle, évolution d'un chemin qui ne nous concernera pas éternellement? Parce que, maintenant, est indissociable de l'infini. Comme le signifiaient les anciens, rien ne finit jamais car rien n'a vraiment commencé. Le langage musical est la preuve d'une communication immédiate hors de toute traduction, aussi parce que la traduction ne concerne directement que la communication linguistique. L'espace sonore réfléchit à travers chacun et transfère mieux que des mots avec le graphisme spatial des sonorités. Et comme la polygraphie était là bien avant l'humanité pour auto-décrire et faire évoluer le transfert universel du temps et de toute réalité, notre laboratoire du son, aussi infime soit-il, cherche un nouveau dictionnaire impossible humainement à décrire. Et comme de toute façon, il ne restera rien ni de qui ou de quoi que ce soit plus loin dans notre plan infini, nous pouvons toujours écrire notre histoire devant nous, même si elle s'efface au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, car rien ne nous empêche de croire que sans notre infime chemin la réalité tout entière ne saurait exister. Pourquoi faire un choix de recherche permanent pour gravir elle, évolution d'un chemin qui ne nous concernera pas éternellement? Parce que maintenant est indissociable de l'infini. Comme le signifiaient les anciens, rien ne finit jamais car rien n'a vraiment commencé.